Oui, moi ça fait 8 ans en fait, je ne l'ai pas créé, je l'ai juste repris. Donc on l'a repris avec une autre fille, Aurélie, qui habite à côté, qui est musicienne. Et deux filles, c'était assez dur de tenir un club de boxe. Donc là j'ai fait appel, j'ai fait un peu de forcing à Monsieur Coyos, qui est venu nous rejoindre dans le bureau. Et voilà comment l'aventure est passée. On a eu un très très bon entraîneur qu'on a toujours, Sylvain Donnet, qui lui nous a boosté, nous a motivé, nous a porté un peu. Et on est allé faire les championnats. Alors championnat d'Aquitaine, championnat de zone. Et on est allé jusqu'au championnat de France quand même. Donc on fait du loisir. Il y a l'école de boxe, que je ne dis pas, hein, les petits. École de boxe, après on fait le loisir et la compétition. En Serbie, quand j'étais à l'internat, donc en adolescence, il y avait un club de boxe qui s'entraînait dans le sous-sol de l'internat. Il y avait un garçon qui me plaisait, donc j'essayais les entraînements. Et donc les entraînements m'ont beaucoup plu, vu que physiquement ils m'ont dépensé, ils m'ont permis que je me fatigue, que j'évacue le stress que j'ai eu avec les études. Et après, quand je suis arrivée sur Oloron, je suis allée au fête des associations où j'ai retrouvé le club de boxe d'Oloron, Saint-Marie, et je me suis inscrite. Donc voilà, ça fait depuis 4 ans maintenant. Nous, on voulait faire à notre compte un gala de boxe. Le problème, c'est qu'on n'avait pas trop les moyens, donc on s'est tourné un peu vers la mairie pour voir si elle pouvait nous aider. De là, c'est constitué une entente avec M. Lasbarère, Gérard Lasbarère, de la Cancha. Et voilà, d'où l'idée de faire ce gala ici, au fronton municipal, avec la mairie. M. le maire était d'accord pour faire un gala ici. Et il nous a beaucoup aidés. Sportivement, il y aura plusieurs parties. Il y a une partie où on va faire une petite démonstration avec les petits et les féminines. Ensuite, on va passer à des combats purs. Il y aura 8 combats. Et dans ces combats, il y aura une partie encore plus dure. Ça s'appelle les classes A. Ce qu'on appelle les classes A, c'est des combats sans protection.